bien-aimé de Dieu, shalom à toi, porteur de grâce. Nous sommes réunis en ce matin dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une joie de nous retrouver encore en cette nouvelle semaine pour encore unir nos voix à celles des anges et des saints pour tout simplement magnifier le nom de notre Seigneur. Pour tout simplement lui rendre grâce, lui dire merci. Lui rendre grâce pour tout ce qui a été les jours passés. Lui rendre grâce pour tout ce qui nous a permis de voir, d'entendre et de toucher. Lui dire merci parce qu'il donne à tout un chacun de voir encore cette nouvelle semaine naissante, là où beaucoup n'ont pas pu certainement. N'ont pas eu cette chance-là que nous avons en ce matin et en cette semaine. Voilà pourquoi il convient que nous puissions te dire merci, éternel Dieu, éternel Roi, te rendre grâce, te dire merci de nous avoir réveillés en ce matin, te dire merci de nous donner, de pouvoir contempler encore tes bienfaits dans nos vies en ce nouveau matin. Te dis merci pour ta main posée sur chacune de nos vies. Te dis merci pour nos maisons, pour nos familles, pour nos foyers. Te dis merci pour tes anges que tu envoies camper tout autour de nous. Merci pour tes saints qui veillent sur nous et qui intercèdent chaque jour. Te dis merci pour ta miséricorde, pour ta paix. Mais dans cette mouvance, éternel Dieu, éternel Roi, nous voulons te consacrer cette semaine par les mains de Marie. Te consacrer cette semaine par l'intercession de tous nos saints, particulièrement ceux à qui nous vouons un amour particulier. Te consacrer les heures, les minutes et les secondes de cette semaine et les jours de cette semaine, couverts par ton sang. Et que ton Saint-Esprit soit au-devant de toutes choses. Et en cette nouvelle semaine également, éternel Dieu, nous voulons proclamer ton nom. Nous voulons proclamer ton règne. Nous voulons proclamer tes merveilles tout au long de cette semaine. Nous voulons proclamer, éternel Dieu, éternel Roi, tes bienfaits tout au long de cette semaine. Nous voulons proclamer ton nom, même dans tout ce que nous aurons à vivre, que toi, certainement, tu connais déjà. Dans tout ce qui sera comme opposition, Seigneur, que ce soit seulement toi et seulement toi qui triomphe. Que ta gloire encore se manifeste tout au long de cette semaine, au travers de nos vies. Que nous soyons consolation pour le prochain. Que nous puissions fortifier le prochain. Que nous puissions apporter de la joie au prochain, de l'amour, de la paix au prochain. Mais par ton nom, nous voulons proclamer ton nom. Simplement ton nom. Alors viens encore. J'atteindrai mes objectifs.
proclame Yahweh ton nom. Je le confesse, je le proclame ta gloire. Je le confesse, je le proclame ta gloire. Proclame ton nom en ce début de semaine et tout au long des jours qui viendront. Je proclame ta gloire tout au long de cette semaine. Je proclame, éternel mon Dieu, éternel mon roi, la puissance de ton nom dans tous les domaines et compartiments de ma vie, dans tout ce que j'aurai à faire. Je proclame ton nom, éternel mon Dieu, car ton nom est victorieux. Là où nous proclamons ton nom, là où nous confessons ton nom, Seigneur, aucune négativité ne peut traîner autour de nous. Pas de peur, pas de crainte, Seigneur, parce que ton nom triomphe. Et je proclame ta victoire dans toutes les opportunités qui se présenteront à moi. Que cela soit ta volonté à toi. Je proclame, Seigneur, que je triompherai par la puissance de ton nom sur toutes les situations qui se présenteront à moi. Ton nom est merveilleux. Ton nom est glorieux. Oh, honneur, puissance et gloire. Toi, ma forteresse, Yahweh. Honneur, puissance et gloire. Toi, mon puissance et gloire. Toi, la forteresse de nos vies. Honneur, puissance et gloire. Toi, notre rocher. Honneur, puissance et gloire. Toi qui pourvois encore. Toi qui es notre défenseur. Toi qui es notre bouclier. Alors, bien-aimé de Dieu, c'est dans cette atmosphère de vainqueur que je te souhaite de passer une excellente journée dans la présence de notre Seigneur. Et une excellente semaine. Qu'il te précède en tout. Qu'il te précède en tout et qu'il te bénisse. Qu'il bénisse l'œuvre de tes mains. Qu'il ouvre ton intelligence. Qu'il ouvre ton cœur. Qu'il facilite vraiment tout ce qu'il aura prévu pour toi. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Journée bénie à toi.